Une cinquantaine d'entreprises de Pointe-Noire ont pris part à cette activité dont l'objectif est fondé sur le concept de travail sûr et sain. Christian Barros, président de Unicongo, dans son mot d'ouverture. Il s'agit de lutter pour un travail décent, respectueux des hommes et des femmes qui l'accomplissent. C'est l'engagement d'Unicongo et des entreprises qui la composent. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que la mondialisation ne soit pas qu'un espace où seules les lois du libre-échange règnent. Il faut au contraire affirmer les valeurs auxquelles nous sommes attachés et faire en sorte qu'elles se concrétisent. Comment ? En trouvant un cadre normatif commun, en responsabilisant toutes les parties prenantes. La deuxième exigence, c'est une exigence d'efficacité économique. Les acteurs économiques doivent comprendre que les mauvaises conditions de travail, la dégradation de la santé des salariés, les accidents, et plus, en plus d'être moralement inacceptables, ont un coût économique pour l'entreprise et la collectivité. A l'inverse, s'assurer du bien-être des salariés favorise leurs engagements, leur efficacité et augmente donc la performance de l'entreprise. Plusieurs sous-thèmes liés à la sécurité et la santé au travail ont été présentés au public comme ici, au stand Total, où la sensibilisation était portée sur le paludisme et le chikungunya. Vous êtes au stand Palu et vous savez que le palu est parmi les maladies qui sont en train de faire beaucoup de ravages en Afrique et le Congo n'est pas épargné parce que nous sommes dans une zone endémique. Et donc le palu tue plus que toute autre chose. C'est pour cette raison que nous devons faire attention, nous devons essayer de prendre des précautions pour assainir notre milieu, pour vivre sous les moustiquaires, dormir sous les moustiquaires imprégnés, parce que le palu tue, surtout les enfants. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a une épidémie qui est en train de régner dans la ville de Pointe-Noire. C'est le chikungunya que nous appelons actuellement palu pongo. Lui aussi, il est transmis par un moustique. Mais celui-là, il pique toute la journée, surtout vers 16h, 17h et très tôt le matin. Après la visite des stands, le secrétaire général de Total EP Congo, Gatien Edgar Zebas, s'est dit satisfait de la tenue de cette journée. C'est déjà une grande satisfaction parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions au fil des temps. Et les thèmes se sont tous concourant certainement à ce thème de zéro accident, mais tous, on sent que chacun a fait beaucoup de progrès. Notamment sur les gestes et postures, sur le lieu de travail, la qualité des outils utilisés. On a vu quelque part où on est en train de former les gens à certaines réalités. Donc tout ça mérite notre considération et nos encouragements. On devrait pouvoir continuer. À noter que chaque année, 2,78 millions de travailleurs perdent la vie du fait d'accidents du travail et de maladies professionnelles et 374 millions sont victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles non mortelles à l'échelle mondiale.